Welcome in my new vlog. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester dans le lait. Aujourd'hui, je vais vous amener dans une des places, des plus belles places en Tunisie. Je suis allée là-bas pour 3 jours. Je suis supposée rester 2 jours, mais finalement, je suis restée 3 jours à cause que la place, it's amazing. And that's it. Donc, let's go. Enfin, on est arrivé à Hawaraya. On va passer quelques jours ici. On a loué un petit studio, genre une chambre et un salon. Et c'est à peu près 100 et quelques par jour. Donc, on est près de la plage, à 2 pas de la plage. Et that's it. Donc, on va profiter du soleil et. On va profiter de la plage et après on rentre en Tunisie et pour moi ça va être c'est fini les vacances donc let's go, on va profiter le max. Ok, je vais vous faire un home tour. Donc là-bas il y a la plage, là-bas c'est juste le port de Hawaraya et ici, oups, c'est notre petit studio. Donc on a la salle de bain et le petit salon, la cuisine, le salon s'est transformé en dressing et notre chambre. Et là, il y a une petite terrasse à l'extérieur. Donc, c'est trop sympa, c'est cosy. Et that's it. C'est tout. Je suis belle, hein? Donc, là, aujourd'hui, je vais pas bien m'habiller, je vais juste aller à la plage, me baigner, me baigner, me baigner, me baigner. Et c'est tout. On est ici pour combien de jours? Moi, 2 jours. 2 jours. Ouais. 2 jours, t'as combien de maillots? 14. 14 maillots pour 2 jours. 7 maillots par jour. Good luck, ma chérie. Photographe professionnel. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Arraché, je pense. Ah, on a notre petit sac de poubelle où on met toutes nos cochonneries. Bilal, ici on parle en français. Tu sais parler en français? Non. Just in English? Yeah. You can just speak in English? Yeah. What's your name? My name is Diana. No, it's Mira. No, Diana. How old are you? Yeah. You don't look like 10. I don't like this. 6. How old are you? 10. Mayota, c'est fini la playa? Oui, aujourd'hui. Regardez.
Il y a eu le coucher de soleil et ça y est, là, direction la maison. On va se préparer pour sortir. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais on s'est fait des amis. On a plein d'amis là. Ok. Elle est en train de choisir une pastèche, je pense. C'est un truc comme ça. Today is playa. On va aller partir. On va partir prendre un bateau et faire le tour. Mayotte. Elle est belle la vie. Hawaii, c'est une place hyper sécuritaire et c'est vraiment beau. Et genre, tu peux, regardez-moi, je suis en maillot. Donc, j'ai adoré. Mais malheureusement, on va rester juste 2 jours. À Hawaii, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, mais il y a plus d'appartements ou maisons à louer. Comme nous, on a loué un studio. Et donc, vous pouvez venir ici, louer un logement et soit se balader en scooter, soit, je ne sais pas, louer une voiture ou... C'est à 2 heures du capital de la Tunisie, de Tunis plutôt, et c'est tout. Donc, sinon c'est hyper beau, il y a pas mal de places pour se baigner et il y a du bon poisson et that's it. Donc là on profite le maximum. Moi je suis déconnectée, donc j'utilise pas mon Instagram, j'ai rien posté, j'ai rien fait. J'essaye de profiter le max, je vais rentrer bientôt. En Tunisie, si vous voulez prendre un bateau, il faudra déclarer auprès de la douane, auprès de la frontière ou du port. Donc, on s'est déclaré pour prendre le bateau. Mayo. Hiya, qu'est-ce que tu fais? Je fais du yoga. C'est pour te voir parce que je parle français. Je vais chercher le... Thank you.
Montre-nous, Mai. Et bien, on va s'acheter. Je pense. Attends, je vais vous montrer. Regardez-moi. Je pense que c'est interdit en Tunisie, mais. Et on est revenu à la même place. On a acheté quelques calamars. Attendez, je vais vous montrer. Bref, on a acheté quelques calamars. On va faire à manger ici. Et c'est tout. Regardez-moi. Je suis toute black à cause d'hier, toute la journée dans le bateau. Mais bon, la plage n'est pas calme. La mer n'est pas calme. Mais j'espère qu'on va profiter. J'espère que vous avez aimé mon road trip. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Cela m'encouragerait de faire de plus en plus de vidéos. Et il me reste à vous dire à la prochaine. Bye.